ma vie. Moi aussi, je suis amoureuse. Bah, j'ai rien à dire. Présente-toi, je t'ai pas dit dire quelque chose, juste présente-toi. Ah, bah, Mesrine, en chantier. Ok. La skin la plus bonne de France. Et voilà. La reine de la skinnerie aussi. La skinnerie partout, je vous aime. C'est quoi la skinnerie? C'est mes abonnés. Tu les appelles comme ça, tes abonnés? Mm-hmm. La skinnerie? Ouais. Oh, mais c'est plus péjoratif que chez eux, en fait. Pourquoi? La skinnerie. Ah, ils critiquent les gens skinny? Oh! C'est une blague là, tu vois, elle fait vraiment dominer en tout là, moi. C'est ça que t'es en train de faire là? Devant tout le monde, tu critiques les gens skinny, c'est ça? Donc, quel âge? Mais pourquoi tu dis ça, j'ai pas compris. Donc, quel âge, mademoiselle? Pourquoi c'est péjoratif? Je dis pas mon âge. Tu donnes pas ton âge? Non. D'accord. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Angie. Angie. Bonjour, mes chéries. Ok. T'as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans? Il est où, mon ours? Il est pas là, ma vie. Attends, pause. Sur ma chaîne YouTube, il y a des abonnés à elle. Mais tu crois. Ah non, ils viennent de TikTok. Mais okay. Tu crois, je suis qui? Forcément, elle vient de TikTok. J'ai eu peur, c'est bon. Ok. Elle, Ziggy, création et nous. Mais t'as fini de parler? Attends, mais elle, c'est la parler. Termine, t'as fini? Donc vas-y, Angie. Sam, rapide, efficace. 23 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis sur ça. Sur les réseaux? Sur Snap? Les réseaux. Sur les réseaux. Un petit peu partout. T'as envie de choquer. Toi aussi, sur les réseaux? Non. Sur quoi toi? Je suis anonyme. Oh là, c'est pas possible là. Et toi, t'es battu dans quoi du coup? Moi, je suis sur les réseaux, on me connaît déjà. Attends, je comprends pas. Il y a 10 minutes, on m'a appris qu'elles avaient un OnlyFans et maintenant. Elles ont plus rien. Tu veux rentrer dans le vif du sujet maintenant? C'est le vif du sujet pour toi? C'est quoi le rapport avec OnlyFans? C'était pas le vif du sujet. Non, mais là, on parlait des réseaux. Ouais. T'as voulu en cibler un. Mais pour moi, réseau. OnlyFans, c'est quoi? C'est un réseau? C'est un de nos réseaux. Mais t'aurais pu dire Insta. Mais c'est le plus important. Exact. C'est le plus récréatif. Le plus quoi? Ce qui rapporte le plus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez discuter avec les gens, mais moi, on pêche. Wow, discute avec nous. Tu vas répondre à des commentaires? Il y en a plein là-bas, par contre. Je suis une belle journée. C'est quoi leur iPhone? Le thème, s'il vous plaît. Ça va être ça, c'est ma commune. C'était un super thème. Ah, d'ailleurs, les modos, bonne chance. Laissez place à la liberté de chacun et à la créativité de chacun. Wow. Laissez parler tout le monde, c'est très important. Pas d'insultes, bien sûr, sinon vous slidez. Mais laissez parler un peu tout le monde. Hein. Silencieuse d'un coup, bizarre. Pourquoi silencieuse? Qui est silencieuse? Laquelle était silencieuse? Non, moi je laisse tout le monde parler, j'écoute. Ok. On laisse notre parole, il est pas content. On laisse notre parole, il est pas content. Ces hommes alors. C'est un truc de ouf. Ces hommes, ils sont jamais contents. Merde. D'ailleurs, vous voyez comment les hommes, de votre point de vue? Franchement, je les vois pas. Je m'en bats les couilles. Quand ça, je t'en bats les couilles? Pour mon argent, je m'en bats les couilles des mecs. Et pour ça? Parce que ça m'a. Donc, tu veux pas d'hommes dans ta vie, toi? Non. Pour les bons tu moments. Je crois ça. Pour les bons moments? Que pour les bons côtés. C'est pour normalement, pour rien du tout. Bah, notre âge. Dis la philosophe. Dis les choses. En fait, je sais pas sur YouTube les filtres audio que vous avez. Non, il y a aucun filtre. Juste pas de trop gros mots. Ouais. Non, en vrai, il y a aucun filtre. Comme elle veut. Donc du coup, je disais là pour l'instant les hommes, s'ils m'apportent quelque chose en plus dans ma vie, ok, sinon c'est pas nécessaire. C'est quoi le quelque chose? Ben, ça peut être plein de choses après. Ça peut être des moments. Ça va pas très clair, tout ça. Ouais. Ben, en fait, c'est super vaste. C'était pour me dire bref, exactement ce que tu veux. Prends une autre question. Vous voyez comment les femmes? Ah, t'essaies de retourner la question. Ouais, bah, chacun son tour, vous êtes des ouf. Chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va te mettre mal à l'aise, je sais. Non, ça n'avait pas mal à l'aise, je t'ai répondu. On n'avait pas terminé. On n'avait pas terminé avec elle, t'as coupé la règle. Oui, mais Thierry, sa réponse, elle était trop vague. Donc, à vous de répondre. Non, justement, on essaie d'aller en plus. Ah, ils esquivent, voilà. Mais esquivent. Personne n'esquive, là. Bah, répondez alors. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On pose des questions, vous posez des questions, justement. Ok, bon, moi, je suis le contre, j'écoute pas. Quand toi, pour toi les hommes, c'est ce que je te dis, tu vois, quand ça la met mal à l'aise, c'est vrai. Moi je dois rentrer bientôt parce que j'ai plein de trucs à faire demain. Et elle fuit maintenant. Non, ouais. je dois m'en réveiller tout depuis tout à l'heure. Elle fuit. C'est fou, hein. C'est vrai qu'elle se réveille à 6h, il faut prendre une story le matin. C'est ça, t'as ouais. Combien de story? On se moque des Snapchatters, t'as vu ça? Combien de story? Comment ils néglent les Snapchatters? Je suis choquée. Je suis choquée en fait. Ça va, on peut même pas plaisanter. C'est dur. Plus plaisanter. Apparemment, c'est dur de snapper, donc oui, ok. Non, c'est simple de snapper, c'est dur d'être intéressé. Ah, non, enfin, de faire du contenu en continu. Non, mais attends, excuse-moi, t'arrives à faire des milliers d'euros avec ton iPhone. Tu penses pas que t'es intéressante parce que t'es belle? C'est un des critères qui me rend intéressante. Donc la beauté dans un premier temps ou bien après, selon toi?
Ta personnalité ou ta beauté? C'est la personnalité qui assure. Tu penses? Donc tu penses que si t'étais moche, les gens s'intéresseraient autant à toi? En fait, OnlyFans et mime. Ah, y a des moches, elles ont beaucoup d'abonnés sur OnlyFans. C'est pas le fait d'être belle. Et puis la moche, je parle pas d'OnlyFans, je parle de Snapchat. Il y a moche, après qui est moche. Parce que pour suivre la vie d'une personne de A à Z, il faut soit qu'elle soit réellement drôle, soit qu'elle ait quelque chose à dire. Mais moche, ça veut rien dire. C'est pour ça qu'on... Moche, ça veut rien dire. Je peux me trouver moche, je peux me trouver magnifique comme je peux me trouver magnifique. Mais excuse-moi, mais pour avoir des milliers d'euros sur OnlyFans, il faut quand même qu'une grande majorité de personnes se trouve belle. Ou que t'aies des beaux pieds. Ouais, si t'as des beaux pieds, après ça va, tu trouves que t'es... T'es fétichiste? Non, on n'est pas fétichiste, mais on sait que ça se vend. Mais bon, les pieds, la tête, c'est pas la même chose quand même. Pour moi, c'est la même. Avoir des beaux pieds, avoir un beau visage, c'est un critère de beauté dans tous les cas. Donc la beauté est essentielle. Non, quand même pas. Les pieds, c'est un truc. Tu penses que t'es moche, toi? En dessous des. Tu te trouves moche? Du visage. Non, moi, je me trouve très belle. Qu'est-ce que tu montes sur les réseaux, toi? Moi? Ouais, la plupart du temps. Regardons, si tu veux regarder. Tu veux qu'on aille regarder sur ce. Non, tu peux aller directement sur Instagram? Allons sur mon Instagram. Tu veux ou pas? Ah ouais, je peux. On va aller sur Instagram directement, quoi. C'est quoi ton Instagram? C'est quoi ton Instagram? Dans 15 minutes, je rentre. Mon prénom. Non, tu vas trouver une autre personne si tu mets. Non, il n'y a que moi qui arrive comme ça. Mesrine? Bien sûr. Ah non. Ah si. Tu connais pas Mesrine, le français qui a fait plusieurs braquages? Il est pas sur Instagram, il est mort. Non, mais pas sur. Remets-toi à la page. Le pire, c'est qu'on la trouve vraiment. Ah ouais, c'est vrai, en plus, on la trouve vraiment. Oh là là, ouais. Incroyable. Autant pour moi. Je vais partager ça. Autant pour moi. Hop là, attends. Par contre, commencez pas à critiquer mes photos parce que je vais m'énerver. Hein. Non, personne va rien critiquer. Je me faisais F en direct. Ça, tu vois pas les commentaires, si tu veux. Putain, j'essaie de regarder, c'est impossible. Grave, il faudra que tu t'avances. Est-ce que j'ai bien cadré en bas à gauche? Ouais, t'as bien cadré. En bas à gauche. Oh là là, mes fesses d'amour. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. C'est mal cadré. Je suis mort. Bah attends. Tu montres que tes fesses, là. Ça, t'es en train de me dire. Alors. Bah entre autres, ouais. Donc, c'est montrer ses atouts. Moi, j'aime bien mes fesses, j'aime bien mon corps. Tu proposes que ça sur Instagram, tes fesses? Bah moi en entier, tu vois bien mon visage, tu vois tout. Ouais, mais la plupart du temps, t'es de dos. Et donc t'as une fâcheuse tendance à t'orienter vers. Oui, exactement. C'est pas c'est mal. Faut quand même remarquer ça. Si je fais pas exprès. Tu fais pas exprès? Ah, tu fais pas exprès? Bah, c'est une belle vue, ça vous plaît pas? Ils vont se plaindre, en plus, je rêve. Non, 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 c'est. Après, peut-être que t'as un profil. Tu trouves ton profil plus séduisant, je sais pas. Ou autre chose? Je sais pas, franchement. Tu sais pas? Au feeling. Au feeling? Tu te mets combien sur 10? 10. Tu te mets 10? Bah si tu mets pas 10 toi-même, okay. C'est chaud. Hein. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais je sais pas, moi, se mentir à soi-même, c'est pas beau aussi. Hein. Mais je rêve. C'est subjectif. Mais je rêve, en fait. Pour qui tu te prends, mon J'ai pas dit que t'étais pas un 10, j'ai juste dit que se donner une note honnête... Non, mais chacun son avis, mais moi, pour moi, je suis un 10. Après, pour les autres, je suis peut-être un 0, mais je m'en bats les couilles. Ok, d'accord. T'as une pire ennemie? Non. Pourquoi? C'est une question comme ça. Et toi? Au cas où. Non. Non. Okay. Et toi, tu te dis combien sur 10, toi? 7. Mais MDR, tu mets 10 frère, c'est quoi ça? Mais si elle est honnête, elle est belle, c'est quand même incroyable. Tu veux que tout le monde se ment à soi-même? Mais quoi? Comment se mentir à soi-même? Non, je te jure. Normalement, toi, tu vas trouver le plus beau, la plus belle possible. Bah si. La confiance en soi, c'est pas se mentir. Moi, oui, pour moi, oui. Mais encore une fois, toi, t'as une vision biaisée de ce monde, c'est bien ça le problème. C'est que tu vis dans un rêve. Mais pardon, mais en fait. La confiance en soi, c'est pas dire je suis une 10 sur 10 alors que t'es une 6 sur 10 ou une 7 sur 10, c'est pas ça. Non, dis pas, j'aime pas, on dit c'est pas. 6 ou 7, ça change rien. La vie ne tombe pas autour de la physique. Mais tant mieux, moi j'aime. C'est pour ça que si la vie tombe pas autour du physique, pourquoi est-ce que pour toi t'es obligé de te mettre un 10 sur 10? Mais non, tu m'as posé une question, je te réponds. Oui, mais t'aurais pu répondre de manière honnête. Tu peux te trouver belle et dire une note honnête. 7 sur 10 et tu peux te trouver belle. Donc, je remets en question. Mais tu sais, c'est assez drôle parce que la plupart des femmes pensent maintenant que quand t'es une 6 ou une 5, c'est quelque chose de mal. Tu remets en question ma note. Tu penses qu'une note basse directement. Alors que la moyenne, c'est bien. Bon, on n'a pas le droit de parler du coup. Non, tu parles. Bah non, mais tu remets en question ma note, tu me poses une question, je te réponds frérot. Mais on a droit de... Tu me demandes quelle note je pense. On a, non, on a droit de... Je peux pas argumenter sur ma note, moi je pense que... Non, moi je trouve que c'est grave lourd. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas? J'aimerais trop me dire, ouais, je suis 10 sur 10, je suis trop bien dans ma peau, y'a rien. Bah moi je suis belle dans ma peau, si rien ne trouve moi, je me trouve moche, mais moi je me trouve belle, j'ai le droit. On n'a pas dit le contraire. Bah si t'as dit le contraire, t'as dit je dois me trouver. Mais ah non, non, non. C'est on t'a juste orienté, on t'a juste conseillé. Non, mais après, tu fais pas, comme tu veux. Ne me conseille pas parce que moi, je n'ai pas de conseil. Moi, je suis pas venu pour faire ça. Heureusement, parce que vu tes propos, il vaut mieux pas. Parce que si on te suivait, les gens vivraient dans un rêve toute leur vie. Ça, c'est compliqué. Ok, bah mes abonnés ont vu dans un rêve. On est mais c'est bien tes abonnés. Est-ce qu'il est vrai, on va dire maintenant. Moyenne d'âge, 15 ans. Tu me diras, c'est peut-être mieux. En tout cas, ils sont sur ton live à toi. Donc je te mais je pense qu'il y a plus de abonnés. Donc je vous remercie parce que la skinnerie est.
Oui, oui, bah, il y a pas beaucoup là, donc oui. Faut croire, hein. Faut l'écouter. Ouais. Faut l'écouter, je pense. C'est jusqu'au bout, hein. Bah, tu me diras. C'est jusqu'au bout. Si on compare les abonnés, je pense pas, mais bon. C'est bien l'écouter. Ah bon, t'as combien d'abonnés sur Insta? Je sais pas beaucoup, 80, bah voilà, 93 000. Attends, t'en as combien, 93 000, t'en as combien d'abonnés? 70 000 presque. 70 000 voilà, mais ça s'arrête là. Bah t'en as pas plus que moi. Il y a combien d'abonnés? Si, j'en ai 93 000. Attends, c'est pas pour bah, non, c'est pas pour c'est pas non, non, t'as devenu sur des erreurs. Non, mais c'est ça, c'est pas compté. Je pense au jeu. Le pire, c'est, je poste, regarde, je poste jamais sur Instagram et elle a pensé une seconde que 93 c'était plus bas que 70. Oh là là. T'as vu le rêve dans lequel je suis. Qui me dit t'as pas acheté des abonnés? Qui me dit? Parce que les likes, ça suis pas trop. 3000 likes pour 93, moi je fais plus que 10 000 likes en fait. Ou des photos qui datent de 1 an. Mais attends, tu montes tes fesses, c'est normal que tu fasses des likes. C'est quoi, regarde? Bientôt, je vais m'acheter un petit string et je vais poster, on verra. Ah oui, bien sûr. Moi, je vais me mettre torse nu. Bizarrement, je vais faire plus de likes. Bah non, j'ai des tatouages, je suis tatoué. Torse nu, c'est toujours plus de likes, en fait. Vraiment. Si on fait un test, je crois pas que tu vas voir. C'est pas contre toi, vraiment, mais bon. C'est un peu léger comme contenu. Bah, tu fais pas beaucoup sur Insta. Les gens me suivent pour mon talk, les gens te suivent pour contenu. MDR, mais sur Insta, mais MDR, tu fais aucun contenu intéressant, franchement. Les gens, c'est ici, normal, ils préfèrent tous me suivre pour mon cul que pour ton Instagram, en fait, de merde. Bah, bien sûr. Ah ouais. Bah, bien sûr. Super. Bah, oui. C'est une bonne chose, alors. Elle compare une personne qui est suivie pour son talk. Ouais, franchement, trop intéressant Instagram. Hein. Il y a un Instagram d'homme mystérieux, mais comme c'est un expert... Mais non, parce que les gens me connaissent. Pas besoin que je poste quoi que ce soit sur Instagram, j'ai d'autres plateformes. Ok, génial. Plateforme où tu fais 400 vues. C'est une Instagram. 400 vues. Avec mes viewers. N'oublions pas. Donc calme-toi, s'il te plaît, Les influenceuses, vraiment, c'est incroyable. Non, surtout elle, hein. Parce que Non, encore sa copine. Ouais, sa copine, tu vois. Copine, ça, elle est réveillée, tu vois. Je suis trop perchée, ça va trop vite, je suis pas la teinture. Non, mais parce que moi, je suis pas la vie toujours. Moi, je suis trop d'un moment. Je dis mon avis. Si c'est la bite de qui? Si vous êtes pas content, pareil. T'es sur les voiles. Non, mais. Non, j'en ai pas de toi. Mais moi, je m'impose. Je dis mon avis, c'est tout. Non, mais c'est juste que là, ça va. Mais ton avis, il est biaisé. Il y a une différence entre s'imposer et dire de la merde. Ah oui, ça n'a rien à voir. Bah ok, mon avis, il est biaisé, c'est pas grave, ça reste mon avis. Tu peux dire quelque chose de clair, tu vois, on va t'écouter. Mais non, mais m'écoute pas, c'est pas grave. Mais on veut t'écouter. Mais non, j'ai pas envie. Mais c'est pas cohérent. En fait, ce que je trouve nul dans vos discours, les garçons, c'est qu'elle a grave confiance en elle. Moi, j'aimerais me réveiller et me dire. On n'a pas reproché ça. Elle a le droit d'avoir confiance en elle. Mais après, derrière ça, elle raconte de la merde. Je suis désolé. Tu vois, tu peux avoir confiance en toi, on dit oui. Et confiance en toi. Il n'y a pas de souci. Bah non, proche, c'est sûr, je lui dis ouais, non, 7. On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Regarde, on n'a pas dit ça. T'as combien de séries? 7. Elle s'est mis un 7 parce qu'elle-même, elle se trouve pas être un 10 parce qu'elle est toujours plus belle que ta personne. C'est tout. C'est tout. Donc si toi. C'est pas logique. Parce c'est que là, écoute-moi ce que je veux dire. En prenant les termes de mon ami, si toi t'es un 10 sur 10 et que Rihanna c'est un 8, tu penses toujours que t'es un 10 sur 10? Bah ouais. Tu crois que t'es plus belle que Rihanna? Ah, mais toi ton idole c'est Rihanna? Non, c'est pas Rihanna. C'est mais ton idole c'est Rihanna. Non, c'est juste une échelle, c'est tout. Non, elle a pas d'échelle parce que. Bon, c'est qui la personne? Oh, les suceurs des Rihanna et des Beyoncé, je peux plus, frère. Rihanna c'est qui? Ok, pas c'est, Rihanna. Ok, c'est une bête de main. Donne-moi une personne, donne-moi une fille que t'aimes bien, une artiste. N'importe quoi. Y'en a pas. Non. Oh là là. Genre, on peut pas débattre avec toi. On peut pas. Je m'aime moi. On peut pas débattre avec toi, c'est ce que je dis. Non, mais en fait, moi je suis pas là pour me comparer aux gens. Mais c'est pas qu'ils sont toi, je compare mon avis, c'est pas mon problème. Moi, non, je me compare pas. Non. Mais quand on te demande une note, tu crois qu'on va te comparer à qui? Comment ça? Mais quand on te demande une note, sans comparaison à d'autres filles. Exactement. Sinon, on te note pas pour rien, on te note pas dans le vide. Mais moi, je me note en comparaison à personne en fait. Mais c'est bien ça, tu tournes la question comme tu veux. T'as très bien compris notre question, mais tu la tournes à ton avantage. Bah non, moi je me note moi-même. Si on te met avec une ribambelle de 100 filles, okay, comme okay, ça, okay, en comparaison pour d'un chien. Ok, stop, c'est bon, stop, je peux parler. Vas-y, vous mettez combien sur 10 qu'on rigole? Mais tu t'en fous, t'as confiance en toi. Bah non, mais qu'on rigole. T'as confiance en toi, bah t'en fous. Techniquement, tu pourrais t'en foutre. Ah oui. Toi, tu t'en fous dans tous les cas. T'as confiance en toi, t'as oublié. Faut pas oublier, t'as confiance en toi, c'est important. Mais c'est quoi le rapport là? Du coup, donnez vos notes, on attend. T'as confiance en toi, pourquoi est-ce que tu veux savoir? On a tous envie de savoir, on écoute. Non, t'as pas confiance. Ah, elle a pas confiance en toi. Ça se fait caca dessus. Bah réponds. Caca pourquoi? Pour une note. Bah répondez, on a envie de savoir, on va vous donner. Mais c'est vrai, pourquoi vous dites pas? Mais t'as vu? Non, mais eux, ils aiment poser des questions. Qu'est-ce que je dis? Je suis en train de lui dire en fait qu'elle est en totale contradiction avec elle-même. Parce qu'elle dit qu'elle a confiance en elle et qu'elle n'écoutera pas le dire des autres. Pourquoi est-ce qu'elle veut savoir sa notation? Voyons, on peut demander au chat. Vous savez quoi, les gars? Notez Mesrine. Notez Mesrine L. Comme ça, c'est simple. Notez L sur 10. C'est parti. 2, 4, 4. Moi, je pense sincèrement qu'ils vont lui mettre 5 ou 6 aux alentours. 2, donc, ça va varier entre 4 et 6, sa notation. 4, 4, 2, 6, 6, 6.
Ah oui, 1, 2, ouf, 0, 3. Mais je m'en fous des notes. 6, bah oui, mais. Bah attends, t'as demandé. Eux, t'as demandé. Ah, demande en fait. C'est quoi possible ça. C'est quand même incroyable. Quand tu demandes dans le chat, j'ai jamais dit ça. Hein. Non, mais bah, non, nous. Bah à vous, bah, c'est quoi le rapport là du coup? Mais il y a des hommes dans le chat. Donc autant savoir l'avis de plusieurs hommes. Pourquoi que nous. C'est quoi le rapport? Mais il y a un rapport. T'as demandé ta notation. On est en train de te la donner. Ok, non, j'ai demandé la notation à quel moment? Oh là là. Mais le côté, elle est vraiment psychologique en fait. Elle est vraiment psychologique, mon gros. J'avais ma notation en fait. Ma notation, je la connais, genre. Oh, j'ai pas besoin que tu me la donnes. Mais tu l'as demandé il y a 2 minutes. Mais oui, j'ai demandé ta notation à toi. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Et nous, on t'a dit, on propose la notation de tout le monde. Oui, sans ça, hommes. Sans, on est bon. Bah là, on parle de vous en fait, pas de moi là. Mais on s'en fout, il y a 100 hommes, c'est encore mieux. Bon, franchement, il y a tous les chiffres. Bah, il n'y a pas de 10. Ouais, c'est pas grave, je m'en fous. Tant mieux, y'a pas de 10, tant mieux. Oh putain, me tue. Mais tant mieux, y'a pas de 10, c'est bien. Bon, après, ouais, ouais, si elle est bien dans sa peau. Ouais. Non, mais si elle est bien, elle est bien. Bah c'est oui, ça qu'on dit depuis le début. C'est que ça sert à rien d'être une 10. On s'en fout de ça. T'as ta notation, mais t'es bien avec toi. Ouais. Moi, si on me dit je suis en 6, je dis ok. En 5, ok. En 2, ok. Ouais, c'est un 0 plus vers le 0. C'est toi qui es important plus vers le 0. Oui, bon, ok. Ah, oui, oui. Comme d'hab. Mais c'est 2 comme d'hab. Mais en fait, c'est des bébés. Je vois déjà un vieux couple. Ah ouais, c'est un enfer. Bon, venez, on change de sujet parce que là, c'est. Non, mais en fait, eux, c'est assez bien drôle qu'elle ose dire enfer en comparaison au comportement de sa pote. Mais oh, vu qu'elle est pote, elle doit pas le voir. C'est vrai que tu vois. Non, c'est non, un enfer avec vous deux qui rentrez en flash. Ah, ok, ça va, alors, pas moi. Heureusement. Ouf. Elle est oui, cool. Ok, je suis supportable. Hein? Elle est supportable. Angie, si tu veux. Non, mais c'est une si blague, tu veux, en on fait. Peut. On peut aller partir. Non, restez pas là. On passe pas là. Bah, je savais pas, vas-y. Ouais. Moi, je vous laisse vous deux, hein, parce que franchement, vous êtes insupportables. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Regarde là, regarde. Bon, 2 secondes, je mets l'ellipse, j'ai un appel urgent. Pardon. Ok, mademoiselle. Allô, sur la skinny. Allô. Là, c'est complètement FU. Hein. Allô. Bah, en même temps, la vérité comme ça, mise dans la gueule, ça fait mal. Hein. Non, moi, je trouve que. Dis-moi. C'est très cru. Non, on parle toujours de manière honnête dans nos lives. Non, super, ah, super honnête. Et toujours. Très important. Ouais, ce que je dis souvent, c'est que dans les lives, c'est le seul endroit où on va se dire les vérités cachées. C'est-à-dire que si je ne suis pas en accord avec toi, je vais te dire. Ah oui, ouais, après, ouais, on va en discuter. Non, non, mais la vraie. Mais c'est vrai que généralement, quand il y a trop de vérités, c'est vrai que les gens ont tendance à fuir. Ouais. Mais là, c'est soit ils quittent le live, soit ils vont au téléphone. Et puis. Non, mais après, je trouve que. Mais Céline, tu reviens pas? Attends, mais je j'ai un appel important. On t'entend pas parler depuis. Moi j'ai pas tout avec les gens, je suis pas dans ma vie. Mais qui s'en fout? Je suis riche, je suis bien dans ma vie, je vais pas avec les gens. Je suis riche, je suis bien dans ma vie. Bon, t'as pas demandé tout ça? Si on a tous de l'argent. On a tous de l'argent ici. En fait, il me faut mal au crâne, la vérité, j'ai mal à la tête. 10-0, on fait des maths ou on fait un live? En fait, je comprends pas moi. C'est des ouf. Elle a dit, elle est riche, on a tous de l'argent ici. C'est genre, c'est pas possible. En fait, comme ça, t'as moins d'argent que moi, je peux te le certifier par contre. Viens, 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 ça à la caméra. Je peux le faire. Tu peux venir t'asseoir, viens, on va discuter un peu. Pour perdre, on va faire. Non, je vois, j'attends un appel, on va voir si je m'attends pour me relever. Voilà. Pour perdre du temps comme ça, ces personnes n'ont moins d'argent que moi. Je le certifie sur tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'ai pas le temps. Je suis riche, je suis belle, je suis intelligente. Voilà, je sais pas ça. Allô? Ouais. Attends, je vais lire le live un peu là. Je ne sais pas quoi dire. Mais si tu prends un Uber là, tu vois. Bien sûr, je prends un Uber par contre. Ah. Elle est partie.